Ouais. Ouais, c'est Victor. Yeah, je suis au dernier étage. Ok, merci. On est censé parler à la caméra des fois ou... Moins 294 000 sur les dernières 24 heures. Et les dernières 48 heures, ça peut être plus beau. Moins 353. Bravo. Bon, 5,86 est quand même là. Ah, moi je suis là, moi aussi je suis là. Moi, je... ouais. On gagne des fois quand même, ça arrive. Ouais, si, si, on gagne, faut pas croire. Ça faisait deux semaines que j'ouvrais désespérément la 153-101 game en espérant que ton fils vienne me voir. Donc, s'il joue plus. J'ai 10%? Non. Bon, allez, vas-y. 10%? Je suis cagoulé. Bah, moi aussi. pas autant. Non, ok. Seb a été vraiment un élément clé de ma carrière dans un sens. Je l'ai rencontré la première fois à Vegas, très brièvement, mais je n'ai pas eu le temps de beaucoup discuter. Bon, ouais, c'était juste un mec qui jouait à des jeux bizarres. Je ne le connaissais pas vraiment. J'ai eu l'occasion de le re-rencontrer quand j'ai fait mon premier séjour en Thaïlande. Et c'est là où j'ai découvert ce à quoi il jouait. Donc il jouait à des mixed games, je n'avais jamais entendu parler de ça, au Deuce to Seven. Et quand je regardais le lobby à l'époque de ces jeux-là, j'étais choqué. Il n'y avait pas un mec que je connaissais au table et il jouait des montants énormes. Du coup, je me suis dit, bah, là, il y a de l'argent à faire. Dans mes parties que je joue moi, c'est... sont relativement difficiles. Je voyais des gars sur ces tables-là faire un peu n'importe quoi dans les tours de NLPLO. Donc tout de suite, on a l'idée de s'associer. J'allais apprendre à Seb à jouer en No Limit, en Pot Limit Omaha. Il allait m'apprendre le Deuce to Seven et tous les autres jeux. Oh, yes. Ah. Un petit peu d'action. Bon, c'était au pleinement, du coup, non? Ouais. Je peux aussi être content de voir ça, Gus, hein. Comme tu dis. Oh, il a réussi à trouver un code là, c'est fou. Il est mal tombé. Clairement, l'association avec Seb m'a clairement permis d'aller vers la high-tech, parce qu'il y avait une sorte de cap. Il faut savoir que les grosses parties de No Limit et Pialo, ça tournait quasiment jamais à l'époque. Donc quand j'ai rencontré Seb, c'était... septembre 2009, octobre 2009. À l'époque, ça arrivait des fois que ça tourne au-dessus de la 25-50, quelques HU, mais c'était vraiment très dur. Enfin, à l'époque, il y avait déjà Jungleman. Enfin, fallait jouer les meilleurs du monde en heads-up, donc c'était extrêmement dur, c'était prendre des risques, c'était pas facile. Alors que là, les mixed games tournaient beaucoup plus souvent dans des parties beaucoup plus grosses et elles avaient l'air plus soft. On voyait ça comme un Eldorado possible. Ce qui s'est avéré vrai au final, quand on voit le découlement des années, c'est les jeux qui ont été les plus populaires en high-stake. Ça m'a permis à moi et à Seb de grinder les nosebleeds dans les 5 années qui ont suivi. Quand je me suis lancé dans toutes ces variantes, j'avais les conseils de Seb au début, mais clairement j'étais un peu un fiche. Je me suis un peu lancé dans des grosses parties dès le début. Bon, faut savoir qu'à l'époque elles étaient relativement soft, donc même si j'étais nul, c'était pas des champions en face. À l'époque j'étais bien au-dessus du lot dans deux jeux, le No Limit et le Pialo. Et le reste, bon, bah, j'essayais de deviner ce qu'il fallait faire. J'étais perdant au début, clairement. Ça m'a coûté 200 000 $ au début. Mais bon, c'était très vite, Seb m'a pas mal coaché, j'ai pas mal progressé et on a enchaîné plusieurs millions, quoi. C'est ça, un jour à la retraite, ça trois tables. Ça trois tables, la 100-200 et ça ouvre, c'est 500 000. Et ouais. T'as joué parce qu'il y avait juste Gus ou... Ouais, Gus, bah... Il faut toujours qu'il y ait un client, donc aujourd'hui c'était Gus. Des fois c'est Sam Rostand. Des fois c'est Nicky Jelica, des fois c'est... On en a un nouveau dernièrement. Comment il s'appelle déjà le japonais? J'ai oublié son nom. John Ronda. Ouais, John Ronda qui joue. Bon, il est pas japonais, mais il est location Japan. Qui pareil, il est pas... Il est pas prêt pour jouer 1500-3000, on va dire. Ah, c'est Polarizing qui a pris énorme leur mix. Je le vois, il est up 400K sur la CXDB. Non, il a pas joué. Bah, il a dû gagner quand j'étais pas là. Il a gagné quoi? Il a gagné, il a fait une session... En du sous-7 non plus, il a pris 300K. Hein. Ces mecs-là, quand vous les avez joués au début, leur Ivy et tout ça, ça vous a pas fait bizarre quand même?
Bah si, ouais, la première fois, c'est impressionnant, quoi. J'étais content, moi, quand il est arrivé à ma table, j'ai fait yes. Yes, on va pouvoir se mesurer au boss final du jeu, quoi. T'as eu l'impression que c'était vraiment un boss final ou il était fort hein? Non, franchement, non. En plus, ils m'ont beaucoup joué. Ils ont d'abord joué pas en mixième, où là, ils étaient bien, bien meilleurs que nous avant. On a commencé à les jouer en Deuce, où clairement, ils avaient joué beaucoup moins de maintenant, quoi. On avait déjà une énorme expérience de Deuce tout seul. Après, en mix, ils étaient très bons, mais après, pareil, le problème, c'est que leur niveau stagne, en fait. Je pense qu'ils sont bien meilleurs qu'il y a 3 ans, alors que le niveau continue d'évoluer exponentiellement, quoi. Moi, je suis 10 fois meilleur qu'il y a 3 ans, et lui, je pense qu'il est peut-être un poil meilleur qu'il y a 3 ans. C'est pas encore ça. Oui. C'est quoi la Shifumi? C'est 290? Il y a une autre 100-200. Et il sert à quoi ce Shifumi? Pour savoir qui prend la table. On n'est pas autorisé à jouer sur la même table. Bah en plus si, mais c'est juste là je suis chez toi donc. Ah bah il y a Phil Ivy qui est là. Ah Phil Ivy. Shifumi contre Ivy. On est bien sur le premier, on a gagné. Et on se coupe les deux. Prends ça, Phil. C'est un pot à 17 591. Oh. Allez, touchez. Ça rentre pas, Goulam. C'est pas bon signe quand il y a autant de rebuy. Hein. Ouais, c'est catastrophique le mixième, ouais, ça. Tu perds combien de son premier? Bah là, bon, j'ai pas les. J'ai down énorme, j'étais bien en plus. Hein. Je fais un bon swing de 200 big bets. On est sans trop bien. En fait, j'ai perdu tous les all-in. J'ai fait plein de calls dans les jeux de big bets qui étaient bons. Enfin, j'avais toujours la main à call, genre. Et chaque fois, c'est pas bon. Ouais, c'est pas son plus close, mais. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. T'arrives à faire des sessions après ça, genre après un truc aussi intense pendant une heure? C'est très bien, je suis tout posé, tout calme, tout bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien calé. Et ouais, après c'est dur de voir le poker comme quelque chose de difficile quand tu vois la difficulté d'autres sports, d'autres compétitions, tu vois. Le top niveau du poker est difficile d'une certaine façon, mais on est encore très loin du haut niveau de certains sports où c'est tellement dur mentalement et physiquement. Tu t'es fait bluffer, oui. Pas de bol. Eh oui, c'est le seul qui vous joue ou quoi? Je crois que j'ai regardé sur ma database, c'est le 4e mec contre qui j'ai le plus joué de ma rue. Sur ma database Lifetime. Et c'est le 3e plus gros perdant. Donc bravo, Rui Kao. J'ai bon espoir que
J'ai bon espoir que le fait qu'il sache qu'il est filmé, ça le motive à bluffer d'autant plus. Je pense que maintenant, je vais lui dire à chaque fois que je le joue qu'il est filmé. Bon, bah, la petite partie amicale, on perd déjà 10 000 hein, sur la petite partie amicale contre l'ami chinois. Il pète tout le temps en position. Il fait des 7. Il fait des bluffs. Tu fais tout le temps le même. Ouais, je sais. Ouais. C'est pour ça qu'on s'en aperçoit vite, faut vite que j'arrête. Bon, y'a pas d'action ou quoi? Non. Non. C'est dead. Y'a des journées où tu joues pas du tout parce que t'as pas d'action? C'est très rare en ce moment, mais... En vrai, c'est aussi à quel point j'ai envie de créer un débat. Si là je voulais jouer, je suis sûr que je pourrais trouver un truc à jouer, quoi. Bon. Vu que dernièrement j'ai beaucoup joué des grosses parties, j'ai pas forcément envie de grinder une 75-150 au mile. Ouais. Ce qu'on a fait, oui, je peux encore, y'a de l'argent à faire, mais... Je préfère me préserver, éviter le burn-out sur des petites parties. Voilà, je suis tilté pour la soirée maintenant. Donc il va perdre 22K contre un bon pote avant d'aller dîner. Ne jouez pas vos amis. Comment t'as progressé en fait vers les high stakes? Franchement, les parties de 400-800, les premiers shots qu'on a fait en Osbid, bah, c'était juste plus soft que que les parties que je jouais au quotidien en 100-200. Donc c'était tentant de jouer. Après, on n'avait pas les bankrolls qu'on a maintenant, donc c'était quand même des assez gros shots. Ça s'est pas fait en un coup, non. Bah, c'est là que Arcterus, notamment, il a pas eu beaucoup de chance, quoi. Il était là au début et après il a arrêté quand on a commencé à upswing. Mais bon, c'est pareil pour nous, quoi. On a beaucoup perdu aussi au début et à force de persévérer... Je sais que moi, à un moment, j'avais give up, d'ailleurs. Enfin, j'avais give up. Je refusais, quoi, de prendre les parties en nosebleed. Quand on a... La 1500 premier juice, moi, on avait pris 2-3 shots au début. Et on avait perdu à chaque fois. Et moi, j'avais dit, bon, j'arrête. J'étais toujours un peu parano de nature sur ce qui est truqué ou si les gens collus ou machin. Et Alex, il disait, mais non, il faut continuer, machin. Et du coup, j'avais dit, bon, bah, écoute, c'était... On peut faire un dernier shot si tu veux, c'est là qu'Alex a fait son moins 1 million, c'est en décembre 2010, c'était en décembre 2010, ouais. Donc là, bah, c'est là que c'est vraiment parti en fait. Quoi. Parce que chaque fois qu'on prenait ces shots, on mettait une bonne partie de notre bankroll, elle était conséquente la bankroll, mais pas énorme pour jouer ces parties qui sont absolument énormes. Donc ouais, nous laisser respirer, quoi, parce qu'à chaque fois qu'on prenait un shot, c'était si ça casse, faut aller regrinder ça en dessous, alors que là, direct, bah voilà, on avait de l'argent pour jouer ça tous les jours, tout le temps, et ouais, c'était le départ pour un vrai grind de ses limites. C'est surtout vraiment la très grande époque, quand il y avait Gus qui se donnait à fond et quand Isidore a commencé le jeu. Quand Isidore a commencé le jeu, je pense que c'est là que ça a été le plus intense. Je me souviens que c'est les seules fois de ma vie où j'ai dormi avec le PC, avec le son à fond. Si quelqu'un pop-up sur la table, du coup ça bip 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 et ça me réveille. Et j'avais demandé à des gens aussi sur Skype de m'appeler, enfin j'avais Skype ouvert, et de m'appeler si vous voyez Isidore quelque part dans le lobby pour un peu qu'il aille sur une table que j'avais pas ouverte. Mais c'était vraiment, bon, ça a duré, je sais pas, 3 ou 4 minutes faire ça, mais c'était le début où il perdait 100 000 par jour quasiment, et c'était pas perdre en mode il a pas eu de chance, quoi. C'était perdre en mode donation, quoi. On a quand même eu un système de garde entre guillemets pendant super longtemps sur toutes les grosses parties qui nous permettait de garder une vie sociale mais aussi de jamais louper une partie, quoi. Genre si Seb voyait sa copine, moi j'étais de garde, je restais le soir en attendant Gus ou Isidore, et à l'inverse, un autre jour ça aurait été le contraire. Il y a les Allemands qui nous ont fait un peu peur. À un moment, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai arrêté aussi. Ils sont débarqués à 5 dans le lobby, des mecs qui jouaient jamais on duce, ils sont arrivés, ils ont crochet un peu tout. J'ai run assez bad contre eux, enfin run bad ou c'était meilleur, je sais pas, mais enfin, en tout cas j'ai perdu contre eux. Au final, je dirais quand même que, enfin, surtout Alex qui bosse toujours le jeu super régulièrement, il reste quand même sûrement le meilleur du monde, quoi. Enfin, je vois pas un mec en HU qui serait vraiment en Six Max d'ailleurs qui serait meilleur, quoi. Comme a dit Ivy, petit brag, Ivy est venu me voir une fois sur ma table en HU Just 7 en 1500-3000 et il m'a dit you need to play the best to keep improving, en me citant. Ça t'a fait plaisir ou pas? Ouais, forcément, ça, vu que c'est l'idole de tout genre de poker, le meilleur joueur de poker au monde, ça fait forcément plaisir d'entendre ça de sa part.
c'est un truc que, qui m'a plus marqué quand j'ai commencé le poker, plus que le main event, c'était l'idée du jeu des championnats du monde, de tous ces bracelets. Alors donc c'est un peu ridicule si je finis ma carrière de joueur de poker sans en avoir un, quoi. Alors j'ai eu les plus grosses parties pendant aussi longtemps, gagné autant sans avoir un bracelet, que, alors que t'as peut-être 5000 randoms dans le monde qui en ont. On était 13 joueurs live, j'étais 3ème en chips, là il y a 23 joueurs live, je suis aussi 3ème en chips. J'ai l'impression que mes chances sont plus élevées dans ce tournoi, alors qu'il reste, il y a 10 joueurs de plus. Juste parce que le Deuce to Seven tournoi, c'est tellement un... Deuce to Seven est tellement à invariance en fait, c'est quasiment un crap shot quoi. L'edge est gros, mais comme tu joues des pots énormes tout le temps, bah, tu vas buzz facilement, alors que Oma et Lo, c'est split pot, tu vas souvent splitter les pots. Et l'edge est énorme, parce que je vais voler tous les pots systématiquement, et ça c'est low variance, donc au final... J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus simple de se rendre vers la TF. Rio. Sur ce genre de tournoi, c'est la gloire un peu qui te motive, ou parce que genre tu joues pour rien a priori par rapport à ce que tu joues d'habitude? Clairement pour ce tournoi là, tout ce que je veux c'est le bracelet quoi. Surtout que je swappe régulièrement avec Seb, donc j'ai swappé 50% pour ce tournoi. Donc forcément c'est pas... À part les deux premières places, il n'y a vraiment pas grand chose à la gagne. Et oui, bah, je joue clairement pour le bracelet. Tu veux dire, je suis à Vegas pour gagner un bracelet. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Les mecs, ils te connaissent ou pas, du coup, à table? Non, je pense pas. Le mec à ma droite me connaît, parce que il doit penser que je suis fumeur, je pense que... C'était dans le Vicawait, j'étais à la table de Ivy en fait, et j'ai pas mal discuté, rigolé avec Ivy, et Ivy est arrivé en disant « Putain, ça c'est le mec que j'ai pas gagné de main depuis 2 ans et demi ». Et Ivy me posait des questions d'ailleurs techniques dans le Vicawait, au Milo, ce qui je pense que les gens voient pas très souvent ça, donc oui, sûrement, vu qu'il a vu qu'Ivy me prenait sérieusement, il doit savoir que je suis décent, je pense. À part ça, je pense que les autres personnes ne connaissent pas. Selon PokerNews, t'as call 2 bet turn des bois. Ah, j'ai flush draw max, flush draw max. Ouais, j'ai donc out le flow sur le flop, sur le... Ouais, t'as donc out sur le flop, sur le Nas Retro et Nas Retro. Bah, les genres de pot relou, tu vois, qui coûtent super cher. Ah, c'est clair, parce que t'es obligé de le mettre, le 2 bet turn, mais c'est moche. Ouais, j'essaie un maximum d'éviter les conditions. Bon, c'est cool, et du coup, moi, je fais quoi, là, je joue le raz, ou... Parce que j'ai pas envie de manquer la soirée, quoi, si tu chips, quoi. J'avoue. Quand t'as un pote qui est en TF, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lances dans un 10K qui va durer des plombs? Le truc, et... je sais pas, la structure des 1500 est plus pourrin que les 10K. Non, mais les TF, elle va pas durer tant que ça. Hein. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. C'est bien, c'est bien. GG.
Tu filmes là ? Non, je... Attention. Tu t'es remis 5ème place là ? Ouais, oui, ça va. Finalement, je t'ai même pas tant tilté au boss, je sais pas. C'est... Je pense que c'est parce qu'en limite, tu te vois mourir, quoi. C'est pas aussi violent qu'en no limite où tu vas perdre un pot énorme alors que t'es bien. Et ouais, j'ai commencé à perdre toutes les mains. Ouais, j'étais super bien jusqu'à 10 levels, chip leader, super confiant. Et après, on est bad, quoi. Et donc, tu te vois venir, tu commences à perdre toutes les mains et fini out. Ouais. Donc, pas vraiment tilté. Surtout, je regardais pas vraiment les prize pool non plus. Donc, je voyais que la première place et assez rapidement, je vois que la proba de finir premier va être très faible, quoi. Quand je me retrouve super short, je connais les probas de chip, donc et je sais aussi que si c'est pas maintenant, je vais continuer à jouer tous les 10K sur les prochaines années. C'est des petits fields, pour moi c'est assez très probable que j'en aurai un jour ou l'autre, et c'est juste question de temps, je retente ma chance. T'es pas trop jaloux de genre David Ikitaï là qui est en route pour son troisième bracelet? Non, pas du tout. Pas... Non, c'est super, j'ai énormément de respect pour lui. Et j'ai plus envie de me faire coacher par lui sur son skill de joueur de live. Quand j'entends, c'est la façon dont il arrive à exploiter les tels adverses, ça a l'air extraordinaire, quoi. Parce que quand je regarde les en history de ses mains, techniquement, c'est un peu n'importe quoi, mais pour lui avoir parlé, ou des gens qui ont pas mal joué avec lui ou qui le connaissent, tout son jeu est basé sur les tels, et au final, je trouve ça assez extraordinaire d'arriver à créer un jeu qui, du coup, sera un jeu, on se rapproche plus du poker parfait, qui est ce qu'on veut en tournoi, où au lieu de jouer GTO et d'avoir un edge constant, tenter vers un poker parfait basé sur des tels, on peut aller créer un edge beaucoup plus grand, quoi. Un jeu complètement exploitable, et ouais, pour un jeu de nos limites, c'est vraiment l'idéal, quoi. Donc non, plutôt un... Non, pas vraiment jaloux. Bon, j'allais bouffer ça, moi. Bon, lui, il est motivé, en fait. Il a fait quand même, il a joué 4 ou 5 tournois, il a fait 2 deep runs, une 8ème et une 5ème place. Donc forcément, il est motivé à jouer. Moi, je fais 9 tournois, j'ai absolument rien fait. Tous les jours se ressemblent vraiment, quoi. C'est, je me réveille, je viens au Rio, je joue, je commande un truc au American Dave, je joue, je buzz, je vais me coucher, je me réveille, ça recommence. On n'est pas sorti depuis qu'on est là, on n'a pas fait même pas un resto du soir, enfin même pas un resto pour dîner, quoi, on a fait. Il est pour moi le Raz, je le sens. Bon, non, je le sens pas en plus. Run, quoi, c'est... Enfin bon, c'est la vie de joueur de tournoi, la vie de joueur de poker, quoi. Il y a des jours où tu perds toutes les mains, c'était le cas aujourd'hui. Au moins tout était concentré sur la même période, j'ai pas joué 10 heures pour booster et rien gagner. Tout s'est fait rapidement, moi. C'est dommage, c'était sûrement le plus beau fil que j'ai joué pour le moment. Sur, on était quasiment à 200 joueurs, ce qui est énorme pour un championship à 10K. C'est pas grave, bon. Seb est encore dedans, donc... espérant que ça se passe mieux pour lui. Ouais, prochain event pour toi? Bah, le prochain event, je sais pas en fait, parce que ma copine arrive dans 2 jours, demain il n'y a rien. Donc après, je sais pas, peut-être j'ai joué le Oma Hilo Stud Hilo. Après, ma copine sera là, donc je sais pas si je vais faire ça, je sais pas, on va voir si... Je sais pas. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'après, je vais faire un break d'une semaine avec elle. Et après, je vais revenir, je vais jouer le 50K. Il est sûr. Pour le reste, je verrai peut-être le main event, sûrement des petits tournois. Il y a un tête game, un head game, un petit buy-in 3000 ou quelque chose comme ça que je vais sûrement jouer aussi. Enfin, le reste sera au feeling. Il n'y a que le 54 sur pour le moment et le reste on verra, quoi. C'est passé comment cette journée sur le horse? Ouais, c'est passé plutôt bien, c'est mon meilleur D1 pour l'instant, je suis assez content. Là, je termine avec 80K. Je me suis toujours surpris, hein. Franchement, là, on a été 200 dans le 10K horse. Et franchement, enfin, sur l'étape de départ, je sais pas, c'était... J'ai l'impression qu'il y avait moins de la moitié de pro. Allez, la moitié de pro, quoi. Je sais pas, ça fait quand même 4 amateurs par table sur un tournoi à 10 000, c'est... Je suis vraiment surpris, quoi. Donc, ouais, non, là, je me sens assez bien sur ce tournoi. Peut-être c'est enfin le premier tournoi, il va se passer quelque chose de bien. Day 2, c'est déjà un peu plus excitant. T'arrives à la Money Bubble, tu peux arriver avec un gros stack sur les final 2 ou 3 tables.
Donc il peut se passer des trucs bien. Et puis le plaisir, non, c'est Day 3, quoi. Si, j'ai entendu dire, j'en ai jamais fait, mais j'ai entendu dire que Day 3, c'était bien. Donc j'espère que je découvrirai ce petit plaisir un jour. Sa paire de dames, il regarde sa dernière carte que je pense qu'il n'avait pas regardé. C'est une deuxième paire roi, dame 8. Comme quoi, quand on bluffe, mieux vaut avoir une paire. C'est vraiment chiant les tournois, enfin, j'ai joué 20 heures quand même là-dedans. Ah, c'est bon, bah, j'aurais fait plein des trucs de 20 heures. 20 heures pour, je sais pas, pour rien, j'étais même pas proche de la bulle, enfin, c'est juste nul quoi. C'est... Bon, tu es plus très loin. Bah, je suis du choix, je vais faire 65ème et 24 payés quoi. C'était... Non, j'étais loin. Ah, c'est étonnant que c'est aussi long. Là, ça m'a fait du bien de faire une journée break, faire du sport, rien faire, glander. Peut-être faire du shopping ou pas? Ouais, après... c'était combien de temps qu'on est là? 10 jours? Ah non, c'était plus de 15 jours. 15 jours de poker non-stop. Pile 15 jours, je pense. Est-ce qu'on est mardi? Non, on est lundi. Un jour de poker, c'est jamais le jour. Pourtant, j'étais assez sûr de moi sur celui-là, en fait. Mais à Vegas, c'est au moment là que c'est plus dur de savoir quel jour on est. Bon, en Thaïlande, tu crois que c'est quel jour? Oh, en Thaïlande, vous savez. Je savais des fois c'était le jour du roi. Le bar était fermé, à part ça. J'ai jamais su quel jour on était. Je me souviens un moment, tu m'as demandé, c'est bientôt les World Series, non? On est en octobre. Ouais, vas-y. Non, Nico est fait perdre, je suis gagnant. Parce que Nico a arrêté le stacking au plus bas de quand on était stacké en 100-200, moi je suis resté. Et oui, t'as eu un énorme upset. Donc oui, Nico est perdant, moi je suis gagnant. J'ai perdu, enfin, avec ceci d'ailleurs, enfin, on était à deux là parce que. J'avais 1 million de dollars quand je t'ai rencontré, j'étais tombé jusqu'à. 1 million 2, 1 million 3, je crois. Ouais, je suis tombé down jusqu'à 500k à l'époque quoi. Mais ça allait, toi t'étais pas content, toi t'étais broke. Bah oui, moi. Tu étais plus dans la merde que moi. Après, j'étais pas monté aussi haut, mais. Ouais, t'avais plus du tout drôle. Non, j'avais plus du tout drôle, mais ouais, j'ai fait l'aller-retour entre, je sais pas, 200 et 20, justement, quoi. Ah oui. À l'époque où t'as regardé les vidéos que je faisais, c'est l'époque où on perdait, donc tout était pas parfait. Hein. Bah, bon gosse, quoi. Tu gagnes 10 millions, quoi. Ouais, c'est ça, on a plus gagné 10 millions. Ouais, 10 millions, quoi. À la base, mon pseudo sur tous les sites, c'était Biatch People. Pourquoi ça vient d'où, ça, alors, en fait? Biatch People, c'était à l'époque... dans mon école d'ingé, on avait une sorte de frat, entre guillemets, et on était réputé pour être un peu des. Toujours faire les putes, tu vois, toujours en dessous de la gueule des gens, faire les connards, donc on était surnommés les Biatch People comme Village People. Donc j'avais mis mes pseudos à l'époque comme ça. Et à l'époque, ce pseudo sur Fultit, bah, y a un mec qui trouvait mon pseudo indécent. Du coup, il a envoyé un email en disant que ce pseudo était inadmissible et vulgaire. Donc du coup, j'ai dû le changer et. Alexandre. Pourquoi Alexandre Moon? Bah, basé sur mon nom de famille, je suis pas allé très loin, hein. J'ai pas lune haut, en haut de la lune, donc Alex Sun Moon. C'est le genre de truc, quand on demande de recréer un nouveau pseudo, tu reçois un email, tu penses pas très longtemps et tu fais ouais. Alex Sun Moon, mettez-moi n'importe quoi. Ça fait un peu Patrick Bruel, tu sais. Ouais, le mec de dos comme ça, il regarde. Le Rio, tu sais, en plus. Ben, le Rio, l'endroit de tous les rêves, quoi. Ça a l'air accessible, ça a l'air proche, machin. Puis alors, crois-moi, Cantier, c'est pas l'endroit de tous les rêves, hein, Cantier. C'est. Cagoule, quoi. Busted du horse encore aujourd'hui. Là, c'était pas bien. Ouais. Bah, rien d'intéressant, juste. Je lui bustais à 18h, bon, là il est 3h du matin. Ah, voilà. Je fais que boire entre temps. Et le tournoi, le fait que ça existe en fait, c'est une frustration permanente. Si tu sais que ça existe et que tu les joues pas, t'es pas content. Si tu sais que ça existe, que tu les joues, que tu fasses ITM, Mincage, que tu buzzes, que tu fasses TS, mais une place de merde, t'es pas content. Y'a que si tu gagnes que t'es content. Et comme ça arrive jamais, bah t'es jamais content. Mais pourquoi ça vous motive quand même de venir faire des tournois comme ça alors que... Bah ça reste quoi. Ça reste dans ta mémoire parce que honnêtement, enfin, même si tu gagnes beaucoup en cash, tu sais, je me souviens même pas des sessions en cash que j'ai gagnées quoi. Enfin, j'ai rien qui est resté quoi. Ah, j'ai de l'argent quoi, mais je veux dire,
je me souviens, j'ai une session en mémoire, vraiment, j'ai une session contre Isildur, quoi, vraiment, qui m'a resté marqué. Alors que bah, quand Sylvain, par exemple, a fait TF, fait 3e du 4e du main, je me souviens de comment ça s'est passé, sa TF, alors que bah, c'est pas moi qui jouais, quoi, mais je me souviens qu'il a perdu beaucoup au début, après il a commencé à grinder, après il a tenté un bluff qui n'a pas marché. Enfin, je me souviens de comment ça s'est passé, parce que c'était un truc intense, machin, qu'on vivait. J'ai envie de vivre ça moi-même, quoi. Alors qu'en cash game, bah non, quoi. Enfin, ouais, je te dis, sur 4 ans, j'ai tout se perd, enfin, tout devient... Sur le moment, tout a l'air important, mais quand le temps passe, t'oublies tout, alors qu'un tournoi, bah, ça reste, quoi. Si je gagne un bracelet, je l'oublierai pas, quoi. Gerson said he's around and can be Gus is around, yeah. She knows Gus really well. When I say, oh, Gus is there, she knows he can take someone. Yeah, and he could be playing for hours and hours, and he doesn't have a break for food or drink or anything. Like, but I don't follow like, him on the news or anything. But that would be a bit weird. Yeah. Well, it's kind of boring anyway. It's like, what do you want to see? I could just ask him. There's not much to follow. How are you doing? Yeah. How could she follow Oma Elo tournament? Is she gonna see her hand? Yeah, and said like I'm gonna understand something about maybe 2-7 or basic Texas Hold'em or something like that. But you don't even know poker news. She doesn't know Aztec TV. You don't know any news site. Yeah, you never check anything. No, I know that you check it. Yeah, I check it. Because every morning it's like your newspaper. You always put the high stakes TV. Checking if Gus is around. Yeah, checking. Oh, poor Gus. Yeah. Gus, if you're watching this, we love you. I'm gonna go to Los Angeles and then took the coastal road all the way to San Francisco. Like, we're gonna take like 6 days, so it should be a nice trip, nice break from poker. Yeah, it'd be really nice. You need a break? Yeah, I do. Well, since I've been here, all I've been doing is playing poker. I knew Lucy was coming later, so I was quite focused on poker, so I didn't go out at all almost. I've been to 2 restaurants, just been playing poker. Wake up, go to the Rio, up to 3 in the morning, and like that every day. So. I'm here to save Alex. So yeah. Anyway, so it's perfect timing because the schedule right now, there's not much going on. I'm just missing like a horse tournament or 8 studded tournament and the 10,000 studded. So it's 3 tournaments, but it's still the best timing on the schedule. I'm gonna be back for the 50K, the 10 game, the 8 game. It's the most important. I wasn't yet burned out, but I was feeling I was getting burned out soon. So. It's more Seb who's getting more burnout than me, I think. I've been luckier than him. Toi, je t'ai vu, toi, là-bas, en plus. Ludovic. Suffit, moi je vais sur gagner. Il a gagné. Et il a pas gagné rien, il a gagné 6 chiffres. C'est 6 chiffres plus 0. C'est chiffres 8 avec les virgules. Hein. C'est 6 chiffres plus 100 dollars. C'est quoi la game du coup? C'était une 1000-2000 Just to 7 au Aria.
C'était... Ouais, il y a Rui qui m'envoie un texte ce matin. Viens, viens, Waria, vite, il y a une partie pour toi. Et il y avait 1000-2000 qui tournent, il y avait un site. Bah, et 8 heures plus tard. Hop, son. Ouais. On fait ça du coup, quoi. Du coup, on fait ça, ouais. C'est mon meilleur Vegas, en fait. C'est pas compliqué, je suis even à mi-parcours. Donc, assez clairement, c'est une grosse soirée, quoi. Il y a Jungle Man. Il y a une Jungleman dans la partie. C'est un autiste complet. Hein. Quand il joue, il a déchiré deux paquets de cartes, il a jeté les cartes en l'air, il hurle à la mort quand il perd un pot. Enfin, c'est... My winning session of the year. My winning session of the year. I've won every year and you manage to... You're not professional anymore. You're not the shot for the winning session. I put the shot for the winning session. Sylvain. Yes. Going out. We can go right now straight away. Where do you want to go? Rui said he wants to go out. Rui me dit, je demande à Rui, t'es chaud pour sortir? Yep. Nice, t'as un contact pour le club pour l'interrogation. Bah, je rejoins Ivy. Bonjour Ivy. Donc a priori, c'est une soirée qui peut coûter cher. Are we gonna meet him? No, apparently yes, but the thing is, he's like quite famous. He's quite famous. Yeah, yeah, that'd be cool. It's different because we're thinking about something else, and you were thinking, are we gonna have to split the bill? Yeah, I can't split the bill with him. It's like 100k. It's going to be 100k. It's gonna be like lots of bottles. We don't need lots of bottles. Just a few of us. He's going to buy some bottles. He has like 17 girls around him all the time. So it's not even half of the tip to get in the club. En plus, Ivy, comme tu l'as cagoulé, il est capable de dire, allez Alex, tu fais 50-50 sur le truc. Oh, tu me la payes, t'as gagné tous les pots contre moi. C'est vraiment un cas de la soirée. I need to answer really quickly. Table is 3 cards. Time for limbo. No, I told Rui to, because Rui said, yeah, he's going to send us two taxis? Who? On the best way. Who's going to send us to taxi? Rui. Rui? Again. But it should arrive from here. Ah. Well, we can from here at least. But... Nah. Et le sol. J'en ai marre d'annoncer les mauvaises nouvelles à chaque fois sur ton... J'arrête de parler à la caméra. Je porte la poisse. Qu'est-ce que t'as annoncé à la caméra? Bah, à chaque fois j'annonce, je sais pas, c'est oui, de la foire, la soirée de merde, me bloquer, machin. Je lui parle, je me suis cagoulé, j'ai bossé du tournoi. Ou... Quand tu bosses tous les tournois, t'attends au milieu de la rue, sur un rocher. On n'a pas l'air banal comme ça. Assis sur un caillou à la con. C'était vraiment un plan de merde cette soirée. Ah, une limo. Il y a quelqu'un qui va dehors. Also, we're 7 inside, so it looks smaller. Yeah, I think you're ruining it, Steph. Yeah, I'm definitely ruining the limo. Mais il y en a peut-être qui vont nous rejoindre, genre... Yeah, book a day bed outside. Inside is full for now, so... C'est ça d'être broke. On est assis par terre dans la limo, quoi. Alors que quand t'as de l'argent, tu peux t'asseoir sur un siège. We'll be right back.
je suis de retour à Vegas, tout frais, prêt pour jouer le 50K. Ouais. Ça va, c'est un tournoi comme un autre, le 50K ou... Ouais, non, c'est le tournoi... Le beau tournoi à jouer, le... sûrement le plus excitant des WSOP, même de l'année à jouer. C'est pas souvent qu'on peut mettre 50 000 dans un buy-in, donc en plus quand c'est pour moi les meilleurs jeux, le mixed game, c'est forcément sympa. D'autant plus qu'il y a tout le prestige qui va avec ce tournoi. Si je devais choisir un bracelet, c'est pas close du tout, je prends celui-là, quoi. Largement devant Main Event, largement devant n'importe quoi. Au final, c'est prestige au 50K, mais en soi, c'est 1000 fois plus soft que ce que je joue tous les jours. C'est très loin de la difficulté de ce que je joue régulièrement. Donc, ouais, je vois pas ça comme une partie particulièrement. Je suis pas fier d'être au milieu de ce field-là, quoi. T'habites à Londres depuis combien de temps maintenant ? C'est longtemps, j'ai emménagé il y a 5 ans, mais je vis vraiment tout le temps depuis 3 ans. Je croyais que t'étais toujours là-bas, moi, en Thaïlande. En Thaïlande, oui, en 2009, 2010, j'étais en Thaïlande. Ça fait rêver des mecs qui vivent en Thaïlande. Ça fait rêver, mais au bout d'un moment, après 2 ans, t'as envie de revenir à la vie réelle. On se lasse. C'était des années extraordinaires. Juice et Yellow. Les games surtout, Dieu c'est les games. Mais 2000 ou 2004 000 en deux fois, c'est ça. Ouais, j'ai des centaines de milliers de dollars, oui, bien sûr. Il faut pour jouer ça. Bah oui, tu swing vite donc. Tu les as montés, tu les as pas mis, tu as pas fait un virement quoi. Tu les as montés. Non, non, je te vois jouer, enfin ça fait longtemps, mais des fois tu veux jouer quelques mains psycho-quack, c'est ça. Ah oui. J'ai 220 000, je commence avec 150 000, donc ça fait en gros 50% de plus que tape initiale. Ce qui est pas mal du tout vu les blinds, parce qu'on a joué vraiment très petit, on a commencé avec plus de 100 big bets en limite. Donc 500 big bets en limite, pour finir à la fin avec, pour le tapis moyen, de 50 big bets deep. Donc c'est pas mal du tout d'avoir swingé ça, quoi, d'être arrivé à augmenter son tapis de 50%. Je suis très content, quoi. Globalement, plutôt gagné des mains de race, j'ai plutôt gagné en stud et dans tous les jeux de stud. Ils ont quand même réussi à faire vraiment, vraiment n'importe quoi à ma table dans pas mal de jeux. C'était assez hallucinant. Une main de deuce ou 7, c'est compliqué. On arrive au... c'est à l'avant-dernier tirage. Donc les gens draw à l'avant-dernier tirage. C'est un pot three-way où avant ça fait 1-1-1. Il y a bet, il y a raise. Là moi je suis dernier à parler avec 8-7-5-3 de joueur call. Call. Et là un truc que j'ai jamais vu de ma vie. 1-1. Genre le mec qui a raisé au milieu, je sais pas ce qu'il s'est dit quoi. Il s'est dit je vais faire un raise pour faire casser avec un mec derrière et avec zéro fold équité. Enfin, alors que le mec avait été dans deux joueurs, enfin, c'est un play d'une nullité, mais c'est juste hallucinant quoi. Et évidemment il a chaté River, le mec a fait le plein de merde, il a fait un 8-6. Enfin bon, je suis niable, j'ai renégocié sur la juste stud, donc ça, mais bon, c'est dire les plays absolument hallucinants qu'on peut voir sur ce tournoi. Et du coup, le jour 2, ça va swinguer vachement plus. Les blindes vont augmenter, donc on va swinguer encore plus. Un truc sympa à regarder le jour 2, il y aura Gus Hansen qui va apparemment buy-in, donc ça serait fun. Ce serait sympa de l'avoir à ma table. Do you know Alex on Moon? Well, I know he's playing the 50K, but obviously that's not where I know him from. I know him from online, from Full Tilt. Unfortunately, I should say, because I think over the last year or two, he's definitely gotten the best of me.
mostly in the triple draw, but he started to play the seven, the eight game mix on Full Tilt, which is also the Players' Championship here. So I think he was preparing himself for this tournament. J'ai perdu un très gros coup là, il faudrait que je fasse les maths du coup, mais je pense que j'ai bien joué. Alors c'est compliqué ce coup là. Stud high low, un 10 open, un 6 just call, j'ai paire de dames, avec la dame up je re-raise, et derrière moi Rasner avec un 3 up, re-raise. Le 10 fold, la petite fold, donc je call. Ouais. En fait le spot est compliqué parce que la range de Rasner c'est super dur à définir, mais j'ai très peu joué avec lui. Je pense qu'il joue pareil, brelan, paire de rois, paire d'as, un 3 avec deux petites ernas, un 3 et deux petites sutées, 3-4-5, 2-3-4. Et en gros, son board, il touche 3, un 4 et un 5. Donc son board dans ce hello, c'est 3-4-5 avec deux piques. Et moi, j'ai à la cinquième, j'ai deux paires, dame 8. Donc mon board, c'est dame 8-8. Donc là, c'est un spot de merde, quoi. Parce que le pot est énorme. En gros, pour call down, j'ai calculé vite fait, il me fallait 25% d'équité. Si je paye tous les bets jusqu'à au showdown. Donc c'est vraiment un spot horrible, ma main était live. Donc là ça va vraiment dépendre de son range. Et est-ce qu'il va semi, enfin, entre guillemets semi bluffer, sachant qu'il peut conserver la folie qui était à la 5ème. Ça va être vraiment close, faudrait que je vérifie les maths du spot, j'ai call down. Bon, il avait brûlant servi, mais tout le pot est énorme. Et... c'est ça le problème des studs, quoi, t'es souvent commit. Mais bon, à mon avis à la table, je pense que tout le monde aurait insta fold la 5ème, mais je pense que c'était un call down. Comme si j'avais pas joué, j'ai le stack de départ. Donc. C'est comme si je baigne le D3 avec le stack de départ, pas mal. T'as 150 piles ? 151. Allez, j'ai grindé, hein. On n'était pas là pour rien. C'est vrai que c'est marrant d'avoir ton point de vue sur les joueurs de live. Quoi. Ouais, je pense qu'ils progressaient tous beaucoup plus vite si, juste par mimétisme, s'ils voyaient plus de bons joueurs. C'est d'ailleurs une des manières où les gens pourraient. La plupart des gens apprennent le poker par mimétisme. Il y a très très peu de joueurs au final que je connais qui ont vraiment bossé en théorie. Et c'est d'ailleurs pour ça que aussi le problème du mimétisme, c'est qu'on apprend, on peut apprendre très vite de quelqu'un, alors on ne sera jamais ahead of the curve, on ne sera jamais devant les autres. Quoi. Et c'est ça le plus dur au poker, bah, qui s'applique beaucoup online, parce qu'en live c'est pas le cas, mais online être devant les autres c'est extrêmement dur. C'est assez facile de rattraper le retard, il suffit de regarder ce qu'ils font et c'est vite vu. Par contre, se démarquer de tout le monde, c'est la grande difficulté du poker et c'est comme ça qu'on a des gros edges, enfin qu'on crée des edges en high stack. À perdre, je préfère prendre en cash game que perdre en tournoi. Quoi. Et là, je me suis une grosse session, là. Enfin, grosse session pour moi, parce que le genre de live, ils font des sessions de 40 heures sans problème, mais j'ai 14 heures de suite, je me suis levé tôt ce matin, j'étais un peu en décalage horaire. Enfin, je me suis levé à 8 heures, je suis venu jouer, là, il est 11h10 et je viens d'arrêter. Je jouais une 200-400 Ace to 5, truc qui tourne pas souvent, mais il y a un mec du Mississippi, un cowboy avec un chapeau et tout, il veut jouer qu'à ça, il est à Vegas, ça fait 3 semaines qu'il est là. Chaque fois que je le vois, il veut jouer Ace to 5. Il veut pas jouer Mixed Game, il veut pas jouer Deuce to 7, il veut jouer Ace to 5. Okay. Et comme il est assez nul, enfin quand je dis assez nul, c'est il est pas bon. Et en plus des fois il craque un peu et il joue avec 4 cartes exposées. Voilà, ça facilite un peu le jeu. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis forcé à jouer assez à continuer à jouer. Quoi. J'ai arrivé ce matin à 8h. 3h après, il y a un floor qui vient nous voir et nous dit bon là, la table vous pouvez continuer à jouer mais il faut la bouger là-bas. C'est la première fois que ça m'arrive de me faire dégager d'une table quoi. Donc je demande pourquoi, il me dit bon, on a un tournoi à 100k là qui commence. Putain, ok on a oublié la joue mais quand même quoi, c'est j'entends un tournoi à 100k, surtout j'en ai même pas entendu parler, machin. Bon bah du coup on bouge machin, il y a Rui qui me demande qu'est-ce que tu fais ça, je joue en cash game au Bellagio, machin. Il y a Rui qui vient me dire bonjour. Et là il me fait ah mais attends mais il y a plein de monde que je connais, il y a tous mes potes chinois, machin, il y a tous mes potes. Ah mais il y a un tournoi à 100k, c'est trop bien machin, ah bah je vais le jouer. Il me fait par contre je savais pas qu'il y avait le tournoi, du coup j'ai pas pris de jetons, t'as pas 100k pour que je puisse le register. Bah non désolé. Donc du coup il s'est débrouillé, il a trouvé 100k et du coup il l'a joué. J'ai pris 1% et il a busté en 1 heure. Donc voilà, c'était la belle histoire de Rui de la journée. We'll be right back.
pas du tout. Je l'ai tellement vu venir. Enfin, déjà, ça fait 2 jours que je gagne, que mon stapi reste pareil, donc j'avais pas de grosses ambitions. J'ai pas le tilt. Je tilt pas du tout. Je pourrais pas être en tilt, il faudrait que je sois dans les top 10 et que je perde un point énorme en PLO. Là, je serais bien tilté. Mais, Ça te donne quand même envie de rejouer les tournois ou quoi? Bah, si tu me demandes maintenant, je vais pas être très positif par rapport à ça, mais oui, non, c'est juste un tournoi. C'est standard de buster des tournois la plupart du temps. Donc, comme je dis, c'est pas une situation tiltante où j'ai busté à la vue ou où j'ai busté alors que j'étais très bien en chemin. Je me suis jamais déplacé 2 fois le stack de départ dans ce tournoi. Donc c'est dur d'être tilté quand même. Pas de racelet pour cette fois. Parler de combien d'argent on dépensait dans l'année, machin. Et tu lui as demandé du coup. Et du coup, je lui ai demandé, ouais, je lui ai dit, mais avec Alex, des fois, on se sent un peu nit. À Vegas, on pensait que personne n'a d'argent, ils dépensent tous combien par an quoi? Ils dépensent 500 000 ou 1 million par an. Il disait, ah ouais, je pense minimum 500 000. Il y en a qui dépensent 1 million et demi, 2 millions par an, machin. Lui, il me disait, il dépense 500 000 par an, quoi. Alors que c'est un des mecs qui dépense le moins ici. Et du coup, je lui ai demandé, mais comment tu dépenses autant quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, du coup, bah, il loue 3 apparts à l'année déjà. Ouais. Un à Vegas, un à Vedara, un à New York. Pourquoi il y en a un à Vegas et un à Vedara? Non, un à Vegas, un en Floride, un et un à New York. Je sais pas, il dit dès que t'as une copine, ça coûte vite super cher, machin et tout. Parce que finalement, en y réfléchissant, c'est dur d'arriver à dépenser 500 000 ou 1 million. Faut vraiment se piou comme un con, quoi. C'est pas si facile, quoi. Après, si tu fais des soirées toutes les semaines. Ouais, c'est ça, parce que tu fais des soirées où t'as des copines qui te coûtent cher, machin. Ouais, dans ce cas-là, ça peut vite monter, quoi. C'est le seul moyen, quoi. Même oui, c'est dur à analyser au final. Des fois, on se demande. Malgré ses spiou. Pourtant, il est de bon cœur. Hein. Il essaie de franchement, spiou. Il essaie, quoi. Il fait vraiment tout ce qu'il peut, quoi. Mais... Et il spiou pas beaucoup, du coup. Vous trouvez qu'il spiou. Ouais, spiou, mais j'ai mais même lui, il arrive pas au niveau des, je sais pas, des règles de Vegas, quoi, j'ai l'impression. Enfin... Well, it's really... Yeah, I played every day in Vegas. Yeah. Oh, you just took a 1 week break, so you're okay. No, I did take a 1 week break. Oh, that's right. Did you get any action online? Played exclusive for maybe 1 hour. Okay. For 800 mix. Some few short session of two folios. Like against True Taylor and Seneca. Okay. How do they play, by the way? They're both decent now. It's like yeah, they're both quite good. Even Jungle Man is quite good as well. Yeah, I saw that. You guys just got a poke. It's getting tougher. They're all better than Uji. Yeah, for sure. OG's a fish now. OG is definitely a fish now. What happened to him? What is he doing? Well, he's playing the same way he was playing 7 years ago. Yeah, he's really weird. Obviously, it's not working well. Sans jouer au poker après justement une session d'escalade. Ah ouais, plus ouais. Ouais plus, bah, c'est une bonne sensation d'escalade ou n'importe quel sport en fait, mais tu te sens bien, t'es posé, t'es calmé. Même tu tiltes moins dans le jeu après avoir fait du sport. T'es reposé, t'es bien. Il est bon Alex à l'escalade ou pas? Ouais, il se débrouille bien, bah, franchement il en fait jamais, mais il se débrouille bien quoi. Bah, après vu qu'il fait de la boxe et tout, il est assez sec, donc il a plutôt un... Le corps adapté pour un faire ça. Futur champion d'escalade. Ouais. J'ai demandé à Seb si c'était plus facile de grinder les limites ou de grinder un mur. Bah, nos jours, c'est plus dur de grinder les limites, à mon avis. Quand j'ai commencé, non. L'escalade, c'était plus dur. Bon, si je rejoue un tournement en tapis, si je rejoue un tournoi, c'est la corde. Ça, juste la mettre la corde, c'est pas une bonne sensation. Thank you.
Donc ça c'est le bracelet du 54 des WSOP. Ça c'est le bracelet des W Coupe sur ces deux chats de Matt. C'est bonne utilisation des bracelets. Oh, you know, I heard something about Jared. I don't know if you knew that. It's hilarious. Last year, Jared offered a bet that he will play any winner of the bracelet in the game they win heads up. And then he will give them 10% back. Yeah, he will get 10% back. Yeah. Such a good game. And nobody took the challenge. I well, this year he has play here one egg game, so... Yeah. Come on, Inam, give me your glass. We have to finish this bottle. Yeah. Oh my god. Yeah, we're not going over without... Fuck me up. It's such a lightweight. Fuck. No, no, I'm safe. Vinera! Yes. Tapi, it's you! You're safe, Tapi! All right, me. Okay, so Victor is gonna say, you have to say one pays or two pays. Okay. Let's say stop first. Yeah, stay pay. Stop. Stop. Two pays. Big play. Oh, you got me. Boom! Boom! 150. What is it? Wally? It's a... Wally. 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 I haven't seen it. It's very good. It. You get a picture of America in 20 years. Yeah, it's America in 20 years. It can't even work. Really? They physically can't even work. So. Ça va être un tournoi folklorique. Seb s'est encore fait avoir, il va dire. Je me suis encore fait avoir, pourquoi? Bah pour jouer en tournoi. Ah ouais, bah ouais, encore une fois. Bah ouais. Il s'est fait attraper. ça fait une semaine que je suis en grève, je joue que cash game. Mais... Ouais. Fin de la grève aujourd'hui. Je vais à la fin de la grève aujourd'hui, ouais, je me suis entraîné. Celui-là, il t'a chauffé quand même. Il y a Badougi en fait. Seb va tout seul, il va les outplay dans toutes les mains de Badougi. Je vais les outplay dans toutes les mains de Badougi. Il va pas regarder ses cartes, il va jouer tout le temps. Je vais jouer 100%. Je vais tirer une pour faire genre j'ai un bon tirage et je vais rester servi. Ils la connaissent pas celle-là. Ça va passer 100%. On est peut-être sur la même table. On est table 425. Il va se prendre des devoirs, bête. Enfin, non seulement on est à la même table, mais on est que les deux être à la table. Imagine, la table de plus haute, quoi. High card? Got a bit better actually. Ouais, j'ai 10 points, quoi. J'ai réussi à jouer 9 jeux sur 10. Un peu plus que le Badougi. Si, j'ai joué Badougi, j'ai buff en Badougi. J'ai pas joué le Stodai. Ça fait de la merde ou qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah non, j'avais Badougi, servi UTG, bah j'open. Scott Clements, très grand joueur de tournoi, call UTG plus 1 et tier 2. Donc, beau move. Et puis bon, bah y a un mec derrière qui flat tier 1. Et il touche au flop. Voilà. Et demain, après-demain. Direction Bellagio, jouer les 400-800 mix. Ouais. Au moins, moins de variance celle-là. When is the main event? Saturday? Yeah, I think it's on the 5th. Yeah, in 3 days. So happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Scott Clements déchiré encore avec ses 4 verres de vin à la table. Call UTG plus 1, draw 2. Ouais, bah j'ai eu la même moi. Donc UTG open, bouton call, draw 2. Mais tu sais ce qui montre au showdown?
4-5. Valet 9-4-5, Benoît. Il y a un mec qui a tiré une qui raise, j'ai 3 bêtes all-in. Bon, il colle des bois les 2 bêtes de plus et il retire 2. Bon, elle vous parle pas beaucoup de ma badouille, mais. Non, mais c'est pas génial. C'est comme si il colle 6 profs, on est né le bouton et. Il colle un shot. Il check back river avec Brolan. C'est pas pareil. Ouais, il y a un hibiscus dedans. Ah, la dernière fête à table, ouais. Tu sais, c'est quoi la proba que tu meurs chaque année? Non, non, mais sérieusement, j'ai vu les stats. Parce que la proba sur une personne normale, c'est une chance sur 2000 ou 3000, à notre âge. Après, nous, on n'est pas suicidaires, on est dans un milieu favorisé, donc c'est peut-être une chance sur 5000, 6000. C'est pas loin de la proba de gagner le Mainman, non? Je préfère gagner le Mainman. Est-ce que du coup, tu sens? Je me sens bien, tu vois. À mon avis, tu gagneras pas. J'ai même probablement mourir que gagner. Laisse tomber, il ne joue pas, alors. Je joue tout l'été des trucs à 300 joueurs, 200 joueurs, et déjà, quand j'arrive à en booster la moitié, j'ai l'impression d'avoir châté de l'espace, alors éliminer 5000 joueurs. On joue dans le ring demain? Dans le ring? Sur le ring, ça marche. Ça part tard. Sur le ring. La première fois que j'ai entendu parler du main event. D'ailleurs, c'est pour ça que ça reste quelque chose dans un sens un point important pour moi. C'est à l'époque où je regardais le reportage d'Ads Poker, quand je commençais le poker, qui suit Fabrice Soulier et d'autres joueurs de poker durant les 2 mois de Vegas des World Series. Et dans ce reportage, il montre l'importance du main event comme le plus gros tournoi de l'année, le soi-disant le vrai championnat du monde de poker, c'est ce tournoi. Donc ouais, c'est là où les premiers souvenirs du main event, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai plus du tout la magie que je pouvais avoir au début ou la première fois que je l'ai joué. Là, aujourd'hui, je vois juste ça comme une grosse loterie. Il y a plus de 6000 joueurs, c'est clairement une pure loterie. Après, je suis quand même content de le jouer parce que j'ai pas joué tant de tournois de No Limit depuis que je suis là. Et un truc sympa au main event, c'est que la structure est vraiment cool et on joue deep très longtemps. Et bon, ça reste une loterie, c'est mon loto, mon tournoi de loto de l'année que je fais, quoi. Financièrement, ça changerait quelque chose pour toi ou c'est quelque chose qui serait juste un... Ah là aussi, c'est pour ça que j'ai pas non plus de paillettes dans les yeux, ça changerait pas grand-chose non plus, quoi. Mon quotidien va pas changer, rien va changer, quoi. C'est vrai qu'encore, j'imagine, c'est vrai que plus au début, tu vas avoir ce coup-là de dire « Ah, si je gagne, ça y est, quoi, tout change dans ma vie, toutes mes limites, tout », alors que c'est vrai qu'au final... Ça changerait vraiment pas grand-chose, quoi. Enfin, même rien, donc... Peut-être spion un peu plus sur les bouteilles de vin, mais... Good luck, everyone. And I think we're about to say, Shabbat Shalom. Yes! Shabbat Shalom. Je suis à 9K, on a commencé avec 30K. J'ai pas perdu de gros pot en plus, c'est plus beau. Tombé à 10K sans perdre de gros pot. J'ai flopé 2 fois top pair, ils avaient brûlant les 2 fois. Ils ont fait flush, ils ont fait quinte. Sinon, j'ai rien fait. Rien flopé. Mais heureusement que j'ai swappé avec Romain. Hein. Parce que Romain, j'ai quand même sur les 20% et à un moment, il a reçu un texto. Oh, il y a l'UFC ce soir. Du coup, ça faisait chier. Il y a un mec qui est all-in, il est resté 20 blindes, il a overcall 10 et 9 suité. Il devrait être à ma table, Romain, je pense. Il serait dans la bonne vibe là. Comment t'expliques qu'à chaque fois t'as des tables super faciles et que t'as pas de jetons? Ah ouais, le poker n'est pas une science parfaite. On prend les cafés. On va prendre au tu disais que tu jouais en NL50 et tu voulais savoir si ça valait le coup de move up ou alors si valait mieux rester en NL50. S'il y a plus d'argent en NL50. Ouais. Et j'avais répondu, j'avais remis que je t'avais dit de rester en L50. C'est vrai que ça c'est marrant de retrouver les vieux posts, c'est un peu délire. Ah.
dirais que tu vas pleurer. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'as noté l'air humide. C'est comme un signe, tu vois, tout le monde. Je vais pleurer, l'air humide. Ça arrête pas souvent, Vegas. Non. Tout va bien. Pas... Je suis au contraire excité de rentrer. Plus que tilté de bust du main event. Ouais. J'ai eu ma dose de tournoi. C'est beaucoup pour un joueur de KJM, hein, jouer un mois et demi de tournoi. Surtout en live. Le seul truc très bien du tournoi, comme je disais, qui est vraiment cool pour le coup, c'est la sensation d'adrénaline et de tension qui peut se créer dans l'étape finale. Ça, c'est vraiment extraordinaire et c'est vrai que c'est quelque chose d'unique que t'as que dans les tournois, quoi. Et puis l'aspect bracelet aussi, c'est beau. Bon, après, c'est vrai, comme je dis, c'est dommage que c'est forcément tellement décorrélé du skill, de tout. Parce que la part de hasard sur un tournoi est juste énormissime. Mais ça reste quand même c'est un peu tout ce que je recherchais ici, quoi, je pense. Les frissons que tu peux avoir. Ou l'OL. Se rapprocher d'une TF, tout. C'est... J'ai eu l'occasion de le faire une fois, même deux. J'ai pas fait tant n'importe quoi que ça. J'ai fait une fausse TF et une vraie TF, quand même, sur la série. Donc, ouais, j'ai un peu ressenti ça. Bon, même si c'était pas non plus la TF du 50K, quoi. C'était la TF d'un 1500 Maelo, donc. On va pas parler de frissons encore, mais c'était quand même cool. Quoi. T'es déçu des résultats que t'as fait ou... Bon, forcément un peu, ouais, parce que la seule façon que j'aurais été déçu, dès le moment où j'ai pas de bracelet, je suis déçu, donc à part si j'ai fait, non même pas, dans tous les cas j'aurais été déçu tant que j'avais pas de bracelet, donc après voilà, je suis avec les probas, c'est les probas quoi, même tu pourrais être le meilleur joueur du monde, combien Ivy se donne sur la proba d'avoir un bracelet sur, je crois que c'est du 2 contre 1, et il joue tous les tournois et c'est le meilleur, bon, on peut pas espérer gagner à chaque fois, j'en aurai 2 l'année prochaine. Et comment tu vas expliquer à ta copine que t'as pas ramené le bracelet? Ça va, elle connaît le poker depuis le temps. Elle sait qu'on gagne pas à chaque fois. Ouais. Je sais pas ce que je vais lui dire. Je pense qu'elle va être contente que j'ai posté du main event et que je rentre plus tôt. Je pense qu'elle espérait que ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se finit, les gars. Tu joues le premier jour du main event pour te barrer le plus vite possible. Tu bosses day 1, comme ça, day 1B, t'es déjà à Londres. Ouais, on va faire pareil. Moi, je joue day 1B, du coup, day 1C normalement. Je suis à Londres et tout va bien. Avec quoi Alex a bloqué sa porte? C'est quoi? Sans trucage. Sans trucage. C'est genre la chambre bala du Vedera ou c'est... Je sais pas si c'est... Ouais, c'est une des plus balas. Bah on est top floor et on est en 3/4 quoi. Tu vois, t'as les vues sur 3 côtés de la ville différents. C'est cher ou pas? On a payé 20 000 la chambre pour 2 mois, à deux. On fait 10 000 chacun pour 2 mois. Ça fait... Bon, c'est le prix d'un loyer pour un bon appart dans une bonne ville. J'ai rien oublié, j'ai pas une liasse de 10 000 qui traîne dans un tiroir. Ça peut arriver plus souvent que tu ne le penses. Et ça te fait pas bizarre de considérer que, par exemple, pour toi, c'est un tournoi... Enfin, en gros, c'est pas si important que ça, et pour plein de petits joueurs, c'est un peu le tournoi de l'année, même le tournoi de leur vie. Non, enfin, ça se comprend aussi, tu vois. Il y en a plein pour qui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qui ça changerait vraiment à la fois leur bankroll et leur statut dans le monde du poker. Donc eux, forcément, bah, ils sont super excités. C'est vraiment le one shot qu'ils ont une fois par an.
Donc eux, je comprends qu'ils soient giga excités, c'est normal, c'est la magie du poker, c'est, tout peut arriver très rapidement comme ça, un tournoi ça peut changer ta vie. Moi, comme je disais, ça changera pas ma vie, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas cette excitation, parce que je sais que voilà, bon évidemment ça me fait gagner beaucoup d'argent, mais dans le mode de vie, tu vois, j'habiterai toujours au même endroit, j'aurai toujours les mêmes amis, j'aurai toujours mes copines, enfin c'est pas... Ça changera vraiment absolument pas ma vie, donc... Le main event commence à midi, il est 15h-5. Je viens de me register, j'espère qu'ils me mettent sur les tables de départ, quoi. Enfin sur les tables normales, parce que s'ils mettent que les tables entre mecs qui ont light register, c'est beaucoup moins drôle, quoi. Ça vaut beaucoup moins le coup de jouer le main du coup. C'est pas mal. Clairement, les 4 premiers niveaux, il s'est rien passé. J'ai jamais bougé des 30K. J'ai doublé au début du dernier niveau. J'étais pas monté à 60. J'ai perdu un énorme pot. Après, donc je suis redescendu à 30. J'ai perdu un pot all-in 4-way. J'avais les dames, il y a un mec qui avait les rois, les 9 et les 6. Enfin, l'action est. L'action est un peu bizarre en fait, il y a un mec qui open, early, call, je suis au bouton, je squeeze. Le initial raiser flatte mon squeeze. Et derrière les deux fiches qui avaient call le premier raise, shove et reshove. Mais je sais qu'ils faisaient un peu n'importe quoi tous les deux, ils étaient en tilt, ils avaient tous les deux perdu des gros pots avant, en plus c'était un petit peu short. Bon bah moi je reshove dessus une paire de dames. Et là le premier il tank. Et là je fais oups. Et il finit par call, paire de rois. Bon bah rien au flop, donc redescendu à 30 et après bon, après rien de particulier quoi. J'ai floppé quelques trucs, gagné quelques mains et voilà quoi. Là c'était quasiment journée d'échauffement aujourd'hui. C'est pas que j'aime pas les Daya en fait. Tu peux pas gagner le tournoi évidemment, il peut rien se passer de bien quoi. Au mieux tu doubles. Et puis au pire si tu bosses quoi donc. Il se passe jamais rien de bien. Est-ce que tu te sens chanceux d'être ici en ce moment ? Ouais, bah clairement, je me sens très... Enfin, chanceux, c'est un mot... En anglais, ils ont un meilleur mot, ils ont fortunate. C'est chanceux, mais dans le sens, t'es content que ça t'arrive. C'est pas chanceux, genre tu l'as gagné au loto, mais t'es satisfait de ta situation, quoi. Ouais, très satisfait, bah clairement, on est... tout le temps dans les meilleurs endroits, quoi. T'es au plein milieu de Vegas, t'es dans une des meilleures chambres au Vedara. À chaque fois que je vais quelque part, c'est Aria, Bellagio, là c'est Joël Robuchon, 3 étoiles Michelin ou MGM. Ouais, forcément, c'est une belle vie, ouais. Donc ça, je me sens très... ouais, dans un sens très chanceux, ouais, d'avoir cette vie-là, ouais, clairement. Ça te fait souffrir de voir les joueurs de tournoi qui sont plus médiatisés que toi ? Souffrir, absolument jamais. Sourire, voire rigoler, oui, ça, on... Surtout les joueurs de tournoi, des fois on en rigole gentiment, hein, toujours gentiment, mais ils sont très mis en avant. Après c'est normal aussi, c'est ce qui fait vivre le poker, c'est les tournois. Je veux dire, j'ai parfaitement conscience que l'argent, il vient pas de gens qui déposent pour jouer en mixième. Les gens déposent pour jouer les satellites, pour jouer les satellites du Maine, pour jouer les petits tournois sur internet. Et après, l'argent remonte par rapport à ça. C'est un système très pyramidal en fait. Où l'argent arrive par le bas et après ça monte les échelons et tout finit en haut quoi. Donc du coup, c'est. Non, ça me fait. Enfin, j'ai jamais souffert de pas être mis en avant. Enfin, j'aurais... De toute façon, si j'avais souffert, j'aurais cherché à me mettre en avant plus que ça, mais aucune envie. Quoi. Comment on ressent le fait de devenir millionnaire en jouant aux cartes? Je pense que c'est pas très différent d'un. C'est à mi-chemin entre entrepreneur et athlète, je dirais, dans un sens. Ça se rapproche sûrement plus de la vie d'athlète. Bon,
n'y a pas vraiment d'analogie, mais s'il y avait un métier qui ressemblerait le plus, ce serait athlète professionnel. Bah, le plus dur à gérer, entre guillemets, c'est de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas s'endormir sur ses lauriers quand tu commences à monter un peu d'argent. J'en ai rencontré beaucoup dans le monde du poker. Ils ont gagné un peu d'argent, ils ont gagné 100 000, 200 000. Et voilà, ils se sentent rois du monde, quoi. Ils se disent, ah bah ça va continuer comme ça pendant des années. Alors que voilà, en réalité, ce qui s'est passé, ils ont trouvé le poker en 2007, ils ont trouvé une mine d'or, ils ont gratté la première demi-pépite, ils ont été tout claqués et ils sont revenus essayer de gratter plus profond dans la mine et ils se sont rendus compte que la mine était tarie et que c'était fini, quoi. Enfin, je pense pas avoir un talent incroyable pour le poker. Je crois que tu posais la question à Alex, il avait répondu ça aussi. Je pense pas être né, tu vois, être né le meilleur joueur de poker du monde ou quoi que ce soit. C'est juste, j'avais plus faim que les autres à un moment. Donc j'ai plus travaillé, donc j'ai fait beaucoup plus attention à ce que je faisais que eux. Et garder cette envie de vouloir être au top, c'est ça qui est vraiment important et c'est pas toujours facile parce que bah, quand tu gagnes beaucoup d'argent rapidement, jeune, tu peux te laisser entraîner dans une spirale plus négative, quoi. Est-ce que tu sais si tes parents ils sont fiers de toi ? Ouais, je pense ils sont très fiers, ouais. En plus, et mon père, c'est lui qui m'a appris le poker, en fait. C'est quand j'avais 6 ans. Je me souviens, à l'époque, on jouait des centimes, ou même pas des centimes, quoi, mais on pouvait jouer des heures et des heures, quoi, sur la table de la cuisine. On était des vrais passionnés, quoi. Lui, c'est un mordu de poker aussi, quoi. Il joue depuis qu'il est gamin. Avec moins de succès, il m'a raconté une histoire. Je crois qu'il a perdu la montre qu'on lui avait offert à sa communion quand il avait 6 ans. Il l'a perdu au poker. Donc, j'ai eu plus de succès que lui, mais il m'a transmis, ouais, cette passion du poker, et c'est... Ouais, c'est clairement dans un sens grâce à lui que je suis monté là. Merci papa. Good evening. We have a reservation for 4, Sabic, 845. For Sebastian? Yes, me, yeah. Si tu vois le poker comme étant une succession de spots où tu connais une décision parfaite comme le blackjack, t'as plus de beauté en fait là-dedans. C'est... Non mais c'est vrai que l'aspect GTO réduit un peu. Ouais, ça réduit un peu la créativité, oui, que tu peux avoir autour, ouais, du truc. Donc c'est... Ouais. Non, c'est pas un art le poker, quoi. Et comme dirait un certain Ray de la CF, en parlant de lui, le poker c'est un marathon et il n'y a pas de note artistique. Laissez le troller ici. On va se débrouiller. Bon, jette. Ça m'a redonné de l'appétit là. Après la viande, j'avais plus faim, mais. Ça reprend. Opéra avec une petite feuille d'or. Excellent. Vraiment excellent. Oui, il y a eu l'article du Figaro aussi. Il y a tout un article sur ces joueurs français qui gagnent des fortunes. Ah, t'as 8 paragraphes sur Alex, moi et Rui, dernière ligne. Mais les pertes font aussi partie de leur quotidien. Romain Arnaud, moins 1 million. C'est des ouf. Je sais plus qui c'est qui t'a trouvé. Je crois que c'est genre ça. Je crois que c'est mon grand-père qui a reçu le journal ou un truc comme ça, c'est génial. Enfin, tout de ouf, ils ont rajouté une ligne sur toi, quoi. Ces jeunes millionnaires du poker sur Internet. Les pertes font aussi partie du destin de certains joueurs. Par exemple, Romain Arnaud a perdu 563 904 dollars l'an passé. Quand tu tapes bon sur Google, alors il arrive en deuxième. C'est le premier ASTXDB. Hyper solide, ce truc. Après, 14 et 4, 1008. Le compte est bon. Merci beaucoup, c'était très bien. C'était excellent, merci. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, non ? Oui, il y a une série de poker en ce moment. Il y a le main event en ce moment. Bon, ça fait 2 mois qu'on est là, nous. On a joué tous les tournois. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les services. C'était un plaisir. Et il est minuit 25, je joue le main event demain, donc j'ai encore 5 heures de libre. Donc, on sort 5 heures. On sort 5 heures, allez. Fly on the street.
Ce jour 2. Bah écoute, il doit être 15h, 16h là. Ça fait déjà une heure, j'ai eu le temps de mater la deuxième mi-temps de Brésil-Allemagne. Donc ça s'est pas super bien passé. J'ai réussi à tout perdre en premier level. J'open Valley 9 suited du cutoff. Big Blind qui est un Italien qui a été giga actif. Il arrive à la table il y a un ou deux orbites de ça. Il a joué plus d'une main sur deux. Me 3 bêtes pas très cher, j'ai open à 1002, 3 bêtes à 2007. Cool. Ça vient roi 6-8 avec ma flush draw. Il check, je check back. Turn 7, qui fait pas rentrer la flush draw, mais du coup qui me donne open ND, donc plus de flush draw. Il fait 3005. Bon, j'aurais pu faire le move low variance et just call et essayer de toucher le draw river, mais bon. En tournoi, je sais pas, je les vois toujours folle des mains un peu, enfin, il folle un peu beaucoup, et surtout, je pense pas qu'il va me réchauffe très souvent, quoi, parce que bon, s'il me réchauffe, après je suis commit, mais c'est chiant de tout mettre. Mais je pense que même s'il a une main, genre s'il a pas bet le flop, je dis qu'il a souvent une main, genre middle pair, qui peut folder sur un raise, et qui va sûrement pas réchauffe si je raise. Et bah, tout faux. Il avait les as, il a réchauffe, j'ai call, j'ai break. Pour les joueurs de tournoi, on dit souvent que c'est le pire moment de l'année. Est-ce que pour un joueur de cash game comme toi, c'est pareil ou bon, non, enfin, je fais quelques sessions en moins 100K sur l'année, donc la journée où je perds le main event à 10K, c'est pas la pire de l'année, donc là. Qu'est-ce que tu tires comme bilan de Vegas? Bah écoute, j'ai fait un bon 0 sur 15 en tournoi. Je sais pas ce qui est pire, 0 sur 15, j'avais fait 1 sur 19 il y a 3 ans, avec un min cash dans un 1500. Donc si tu cumules les deux, ça fait du 1 sur 34. Ouais. On n'est pas max. Bah écoute, les tournois, bah non, apparemment je suis pas bon, hein, ça me sourit pas en tout cas. Cash game, je dois être, ouais, ce que je disais hier, légèrement perdant, pas loin d'Ivan. C'est quoi le programme alors? Bah le programme, écoute, on va aller jouer en cash. Hein. On va essayer d'aller se refaire. Passage obligé au safe, on allait jouer. Plus il me reste même plus tant que ça, quoi. Une fois jouer les grosses parties, il me reste 28. Je pense qu'on va aller faire all-in sur une 400-800. 28, ça suffit pas pour jouer, pour toi? 400-800, si. Enfin, après, c'est pas une bankroll pour jouer, quoi. C'est ce que tu buy-in pour une session, quoi. 400-800, je buy-in 25 000 en général. Ça fait all-in. Non, pour jouer une session, ça sera très bien, mais si je devais grind un mois entier à Vegas, ça serait léger, quoi. C'est un peu chiant d'avoir du cash d'ailleurs, c'est chiant à transporter. Je prends les gros jetons de 5K, quoi, de 25 000. Transport plus facile. Pas les perdre, mais... Pas les perdre, non. Faut pas les perdre. Il y a des histoires des fois. Il y en a qui arrivent à les perdre, ces jetons-là. J'ai entendu plus d'une des histoires comme ça. Ils sont rarement contents après. Ça fait beaucoup plus mal de perdre 5000 en perdant un jeton ou en les perdant bêtement, quoi, que de les perdre au jeu, quoi. Parce que de les perdre au jeu, tu considères que c'est normal. Enfin, ça fait partie du métier, quoi. Mais les perdre, c'est un peu con. Ouais. Bon bah voilà, moi je vais en cash. Hein. Do a roll it top down, but
beats of fire on the street.